C'est la cocotte TV. Victoire. Bien les amis, si vous êtes de retour, en tout cas moi je le suis, c'est parti, on va faire la lecture du patch. J'ai décidé de changer un petit peu le visuel de la lecture du patch. Hop, de laisser ma cam. En me disant que peut-être ça va ramener un petit peu d'humanité à tout ça. Après ça cache un peu les textes, mais au-dessus il y en a assez. Donc vous me dites si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée. Si vous voulez que j'enlève ma tronche, hein, y a pas de souci. C'est quelque chose avec lequel j'ai l'habitude. On est là pour un moment. Je vous demande de vous installer tranquillement. Je réexpliquerai après Bedro, il y a quoi le 11 novembre. Spoiler, ça va être énorme. Là, on va faire juste la lecture du patch et puis on mettra ça sur YouTube. Donc surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires ou si vous trouvez que ce que je dis est faux, parce que ça peut arriver, hein, je peux avoir une analyse qui est mauvaise, à donner votre avis. Comme ça, on débriefe un petit peu le patch tous ensemble et on s'entraide à comprendre tout ça. Et on prend le temps d'en discuter, on en crée un bon souvenir et du coup, eh bien, on arrive plus facilement à s'en souvenir tout simplement et à savoir ce qu'il y avait dans le fameux patch. Alors, note de patch 4.4 de Wild Rift. Bouh ! Ce patch est plein de surprises. Que vous cherchiez à avoir peur ou à retrouver votre pic de puissance, vous tomberez forcément sur quelque chose à votre goût. Fiddlesticks arrive sur la faille, alors surveillez vos arrières. Il vous prendra par surprise pour effrayer votre champion au moment où vous vous y attendez le moins. Nous fêtons également notre 3e anniversaire lors de ce patch. Merci d'avoir joué avec nous ces dernières années. C'est grâce à vous que la faille est ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous sommes ravis de célébrer cela avec vous. Nous allons offrir tout un tas de récompenses cette année, alors n'oubliez pas de vous connecter chaque jour pour toutes les récupérer. La mise à jour des mages est là, aux côtés de plusieurs mises à jour d'objets et d'autres systèmes à travers la faille. Nous avons également un nouveau Pass Wild, une nouvelle saison classée et bien plus. Bienvenue dans le patch 4.4. D'autres choses sont prévues pour les autres mises à jour du patch 4.4, alors n'hésitez pas à aller regarder notre dernier aperçu de patch que nous avons bien évidemment déjà regardé et débriefé ensemble. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, d'ici la fin de l'année, je ne peux pas encore vous dire si c'est jusqu'à avant Noël ou après Noël, mais voilà, d'ici fin décembre, début janvier, on aura la sortie de Sivir, on aura la sortie de Zyra, on aura un mini rework de Ziggs, on aura un rework assez important de Sona, on aura un nouveau système en jeu qui nous permettra d'avoir des petites créatures qui nous suivent et qui ne servent à rien, à part faire du bordel à l'écran et faire ramer vos téléphones, évidemment, c'est toujours un plaisir. Le mode arène, qui va être très amusant, que vous connaissez aussi sous le nom du mode 2v2v2v2, sortira le 10 novembre. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce cycle de patch, puisque... les gros changements majeurs, eh bien, ils sont arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, 26 octobre. En réalité, ils sont arrivés hier parce que Riot était un petit peu précoce sur le patch. Et ça change principalement les mages. On va en parler ensemble. Alors, le nouveau champion Fiddlesticks, on vient juste en ce moment même de faire... Merci Vinstoon pour l'abonnement de niveau 1, pour le 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup, tu m'as interrompu, c'est mal, mais merci. Merci beaucoup. Alors, je répondrai à vos questions qui ne concernent pas le patch après la lecture, les amis. Fiddlesticks, on vient de faire sa découverte et son tuto en live. Ce sera posté aussi sur la chaîne YouTube. Si jamais vous nous regardez sur YouTube, eh ben, merci. Hein, pouce bleu, commentaire, partagez à papa, maman, le boucher, le dealer, évidemment. Et allez voir la description de Fiddlesticks. On va quand même en parler un petit peu de lore. Fiddlesticks, l'effroi nocturne, quelque chose s'est éveillé à Runeterra. Quelque chose d'ancien, quelque chose de terrible. L'horreur intemporelle, connue sous le nom de Fiddlesticks, arpente les frontières des civilisations mortelles, attirée dans les régions en proie à la paranoïa, où elle se repaît de ses victimes terrorisées. Armée d'une faux ébréchée, la créature décharnée moissonne la peur elle-même et fait voler en éclats l'esprit de ceux qui ont eu la malchance de lui survivre. Prenez garde aux cris des corbeaux et au chuchotement de la silhouette qui vous paraît humaine, car Fiddlesticks est de retour. Ça fait plaisir qu'il sorte à Halloween. Hein. C'est thématique. Un nouveau Pass Wild, voilà, mode classé. A priori, il n'y a pas trop de changements sur le mode classé cette saison. Nous avons une mission pour vous, grimper au classement et prouver vos talents au cours de la saison classée 11. En jouant des parties, vous aurez l'opportunité de gagner le nouveau skin de la saison H de la Glorieuse Armada. On en pense qu'on en pense. De plus, sa version améliorée sera disponible dans la boutique du mode classé aux côtés de Nami Pourpre Glorieuse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que rien ne change. La mauvaise nouvelle, c'est que rien ne change. Donc, le classement fonctionne exactement pareil qu'à la saison précédente, qui avait déjà pas mal changé les choses, avec notamment les modifications de la barre de courage. Le soft reset est exactement le même qu'à la saison précédente. Et, malheureusement, le mode classé légendaire n'est toujours disponible que pour les joueurs de rang master et plus.
C'est dommage, mais c'est toujours comme ça. Mode de jeu, plus tard au cours du patch 4.4, vous pourrez rejoindre la file en solo ou avec votre duo préféré d'un tout nouveau mode de jeu. Arena est un mode 2 contre 2 contre 2 contre 2, où chaque joueur sera placé dans une équipe de 2. Ces équipes s'affronteront lors d'une série de duels dans différentes arènes. Chaque manche gagnée réduit le total de PV de l'équipe vaincue et la dernière équipe en lice remporte la partie. Les joueurs pourront sélectionner différentes optimisations, ce qui rendra chaque partie aussi unique qu'amusante. Le mode Arena sera disponible le 10 novembre à 1h01, heure centrale européenne. Étant donné qu'on va avoir le changement d'heure, qu'on va passer à l'heure d'hiver, je ne sais pas si ça correspond à l'heure française. Mais globalement, c'est dans la nuit du 9 au 10 novembre. Aux alentours de minuit. De plus, nous avons ajouté différents easter eggs à déclencher dans certains modes. Gardez l'œil pour découvrir toutes les surprises et n'hésitez pas à nous les partager. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Les mises à jour ergonomiques. Nous avons ajouté de nouvelles récompenses de rang pour les guildes. Nous avons ajusté la durée d'une saison de guild. Pense qu'on pense du système de guild. Vous pouvez désormais personnaliser la page que vous partagez avec vos amis après chaque partie. Bon. Nous avons ajouté un nouveau système de récompense lié au score de champion. Ce nouveau système vous octroie une carte de protection de score de champion lorsque votre meilleur score de champion de cette saison a atteint 4000, 6000, 8000 et 10000. Donc si vous êtes à la recherche d'arriver top 1 sur votre champion, bah voilà, un nouveau type de carte qui fait que si on perd une game, on baisse pas. Vous pouvez utiliser cette carte pour récupérer 50% des points perdus sur le score d'un champion après une défaite. Il est impossible de l'utiliser si votre score de champion dépasse 10 000 ou si vous avez eu un comportement négatif au cours de la partie. Bah là, on est sur un truc pas mal. Des vraies sanctions pour les joueurs toxiques qu'on n'aime pas du tout. Bouh les joueurs toxiques. De plus, cette carte est uniquement disponible pour les fils classés et classés légendaires. Très bien. Nous avons ajusté les règles de croissance des scores de champion en fils classés légendaires pour cette saison. C'est vrai qu'en classé légendaire, on gagnait des points de champion beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Et en fait, la classé légendaire, qui est un peu boudé par les joueurs, était surtout utilisé par les joueurs qui cherchaient le top 1 sur un champion pour spammer et aller chercher les points. Alors on ne sait pas dans quel sens est l'ajustement. Soit ils ont ajusté à la baisse de façon à ce que les gens arrêtent d'utiliser la classe légendaire comme un espace de farm de points de champion. Et donc dans ce cas-là, il n'y aura plus personne qui y jouera. Soit ils l'ont fait à la hausse pour justement inciter encore plus de joueurs à y jouer. Malheureusement, on n'a pas l'info. Donc les événements, on les découvrira au fur et à mesure du temps. Changement de gameplay. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet de ce patch, la mise à jour des mages. Nous avons remarqué que les mages avaient du mal à se démarquer dernièrement, alors ce patch se concentre sur eux pour les aider à retrouver la lumière des projecteurs. Ces ajustements avaient pour but principal de renforcer la survivabilité et la mobilité des mages. Nous avons donc augmenté la vitesse de déplacement de plusieurs d'entre eux, et nous avons ajusté les durées d'animation de certaines compétences. Ces changements devraient permettre aux mages de kiter plus souvent leurs ennemis, notamment en fin de partie. On va y venir, on aura la liste après. Il n'y a pas d'équilibrage de champion sur ce patch. Il n'y aura pas de nerf, il n'y aura pas de up. Par contre, il y a tout un tas de mages qui voient leur vitesse de déplacement augmenter. Et il y a tout un tas de mages qui voient certains de leurs sorts se lancer plus vite. Nous voulons aussi offrir aux mages de plus grandes options de build. À l'heure actuelle, il leur manque des objets pour contrer les ennemis protégés par d'importants boucliers. Et pour les aider lors des duels de début de partie. La plupart des builds demandent également de toujours avoir la coiffe de Rabadon et le bâton du vide. Nous allons ajouter un objet classique de League of Legends, le voleur d'âme de Mejai. Si vous aimez le risque, prenez-le. Si vous réussissez des éliminations sans mourir tôt dans la partie, cet objet vous donnera un avantage considérable. Les mages ont également souvent eu du mal à éliminer et à faire avancer les vagues de sbires à cause de la carte plus petite de Wild Rift. Nous avons donc ajusté l'emplacement des hautes herbes des deux côtés de la voie du milieu, ce qui devrait vous permettre de profiter de vos duels contre vos adversaires. Alors ça, j'y avais pas fait gaffe, il faudra qu'on y fasse attention, qu'on regarde. Est-ce que je crois que les buissons sur la mid lane ont été un peu éloignés de façon à ce que bah, lorsque le jungler arrive, vous avez un peu plus de temps à réagir. Vous avez un peu plus de temps pour réagir. Et donc vous pouvez vous sentir un petit peu plus safe et donc jouer un petit peu plus la lane. Parce que c'est vrai qu'en mid lane, notamment à bon niveau, on avait tendance souvent à ne pas vraiment oser duel notre adversaire de peur qu'à tout moment un jungler ou un support arrive sur notre tronche. Donc pourquoi pas, peut-être que ça rendra la mid lane un peu plus dynamique à voir. Alors l'amélioration de la vitesse de déplacement, alors on peut avoir le détail, on va pas rentrer dans le détail, je vais défiler lentement pour que vous voyez le nom des personnages. Donc tous ces personnages que vous voyez ici ont eu leur vitesse de déplacement augmentée de 5 ou de 10, ce qui honnêtement n'est pas énorme, mais qui sur un long kite, voilà, quand on se fait poursuivre d'un bout de la map à l'autre, peut vous permettre d'éviter un sort ou deux de plus. Donc ces personnages-ci vont être un petit peu plus rapides. Ajustement des durées d'animation des compétences. Donc là, on est sur le même sujet. La durée d'animation des compétences de certains champions mages va désormais se réduire à mesure que le champion obtient plus d'accélération de compétences.
Donc on va l'expliquer avec Harry et puis après je vais passer les autres aussi. Donc Harry, l'orbe d'illusion, vous savez, elle lance une boule et la boule revient. Au moment où vous lancez la boule, Harry s'arrête et on a un petit temps qui est petit mais qui est sensible, surtout quand vous êtes en déplacement, le temps où elle lance la boule. Donc Harry avance, je vais faire dans ce sens-là. Harry avance, elle lance sa boule et ensuite elle reprend son déplacement. Il y a un petit temps où elle est bloquée sur place. Et bah désormais ce petit temps il va réduire au fur et à mesure que vous avez la stat accélération de compétences. Donc désormais sur certains personnages, et c'est là où ça va être un peu difficile à suivre je pense, parce que pas sûr que ce sera écrit dans le tooltip, en plus de faire que vos sorts en eux-mêmes reviennent plus vite, ils vont également se lancer plus vite. Vous allez passer moins de temps arrêté à les lancer, donc ça va permettre de les lancer de façon un peu plus safe. Donc Harry, Annie, Brand, Karma, Kennen, Lilia, Morgana, la plupart ont un ou deux sorts améliorés. Et il y a une belle liste. Donc il faudra les essayer un petit peu les uns après les autres, de façon à se rendre compte si vraiment le changement est significatif et sensible, ou si finalement on sent plus rien. Là justement, des incantations mobiles. Alors c'est le même concept. Voilà, c'est dans l'idée le même concept. C'est les sorts qu'on peut lancer en marchant. J'avoue que je suis pas sûr exactement ce que ça veut dire, mais je pense que globalement l'idée c'est que aussi pareil, les sorts se lancent plus vite et vous reprenez le contrôle de votre personnage plus vite. Donc on a la matière noire de Veigar, un sort de Nami, un sort de Lulu, un sort de Vex, l'ulti de Morgana et le bouclier de luxe. Les nouveaux objets. Alors c'est là où par contre on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est un peu le cœur du sujet. Je vais préparer l'écran sur mon téléphone pour qu'on puisse regarder les objets en même temps, parce qu'en fait il y a énormément de nouveaux objets ou d'objets qui ont été modifiés. Et principalement les objets magiques. Donc on va commencer par la couronne de la reine brisée. Alors si je fais ça, ça me montre que à droite. Donc vous regardez juste à droite de l'écran. Voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure les objets. Donc quand je vais montrer cet écran, vous ne regardez que ici. Voilà, vous ne regardez que ici, là où il y a le doigt. Comme ça vous permet de voir la tête de l'objet et de vous faire une image mentale. Donc ça c'est la couronne de la reine brisée. La couronne de la reine brisée coûte 3000 pièces d'or, fait 150 PV max, 70 puissance, 200 mana max, 10 d'accélération de compétences et 7% de pénétration magique. Ça n'a pas été dit spécifiquement dans les textes plus haut, mais la plupart des objets de puissance ont désormais 7% de pénétration magique. Et le bâton du vide, l'objet qu'on connaissait pour être l'objet de pénétration magique, qui donnait 40% de pénétration magique, a été supprimé du jeu. Donc tous les builds mages qui ne faisaient pas le bâton du vide sont désormais beaucoup plus forts qu'avant, puisqu'ils ont de la pénétration là où ils n'en avaient pas. Les rares cas où on faisait le bâton du vide tôt dans la partie, en deuxième ou troisième item, pour contrer spécifiquement quelqu'un qui avait beaucoup de résistance magique, eh bien dans ce cas-là, c'est un peu moins fort, mais dans la plupart des cas, les mages sont plus forts qu'avant naturellement pour ça, et en plus, chaque nouvel item rajoute de la pénétration, et donc tous les mages se retrouvent avec un scaling qui est un peu plus évolutif. Je le mentionne sur cet objet, vous le verrez aussi sur tous les autres. Donc la fameuse couronne de la reine brisée se fait avec un chapitre perdu et un alternateur Hextech. Donc l'alternateur Hextech, c'est un nouveau composant intermédiaire qui se trouve ici, qui se construit à partir d'un rubis et d'un tome, mince, et qui a un petit passif. Alors l'alternateur Hextech, il sert à fabriquer, il rentre désormais dans la recette du créateur de failles. Désormais, le créateur de faille, c'est un codex et un alternateur. Et il sert également, pour le coup, dans la recette de la fameuse couronne. Et donc, l'alternateur Hextech, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vibration magique. Les compétences infligeant des dégâts et les attaques renforcées infligent des points de dégâts magiques supplémentaires. Donc, c'est un composant moyen, enfin, de rang moyen, qui fait que vos attaques tapent un peu plus fort. Donc, une fois que vous avez la couronne, couronne qui, je précise, remplace la Banshee. Voilà, la Banshee a été supprimée. Donc c'est un nouvel objet qui globalement fait la même chose mais en mieux. Avec son passif rempart, ça octroie un bouclier qui bloque la prochaine compétence ennemie. Donc c'est exactement le même principe que le voile de la Banshee. Vous avez un bouclier autour de vous. Alors le voile de la Banshee c'était une espèce d'orbe blanche. Là ça ressemble plutôt à un cercle jaune. Mais c'est très visuel. Et si jamais vous attaquez un ennemi avec un sort qui a cette couronne, eh bien le sort ne fera rien et la couronne disparaîtra. Quand le bouclier est détruit, les dégâts subis sont réduits de 70% pendant 1 seconde 5 avec 40 secondes de récupération. C'est-à-dire qu'en plus du fait que lorsque vous sautez sur quelqu'un qui a la couronne, eh bien la couronne pète et annule votre sort, pendant 1 seconde 5 derrière le personnage devient très tanky, hein, parce que dégâts réduits de 70% c'est très tanky. Donc on parlait tout à l'heure,
Je voyais dans le chat quelqu'un qui disait Rengar ne peut plus sauter au mid puisque les buissons sont plus loin. Bah là, en plus de ça, si tu es un assassin, si tu sautes sur un mage qui a la couronne, non seulement ton premier sort ne fait rien, mais ensuite les autres font que 30% de dégâts. Donc tu vas être obligé d'y aller en deux temps pour assassiner un mage, tu vas devoir lui sauter dessus pour péter la couronne et ensuite attendre une seconde 5 avant de pouvoir enchaîner sur d'autres dégâts. Sinon tu le tueras pas tout simplement. Donc c'est un objet de défense qui est excessivement fort, qui est vraiment 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 excessivement fort. Alors il y a 40 secondes de récupération, donc tu as une fenêtre de 40 secondes derrière où il n'y a rien, mais assurance. Deuxième passif de l'objet. Un double passif. Quand rempart est actif, votre puissance augmente de 20. Donc du moment où vous avez le bouclier, vous avez plus de puissance. Infliger des dégâts magiques à des champions ennemis à l'aide d'une compétence active réduit le délai de récupération de rempart. Alors c'est écrit dans le jeu que c'est de 5 secondes. Donc chaque fois que vous allez toucher un sort sur un champion ennemi qui fait des dégâts magiques, boum, moins 5. Ce qui fait que dans la pratique, sur tout un tas de personnages, ces 20 secondes, elles peuvent se transformer en 25, 20 ou voire même 15. Donc ça va être le go-to item pour tous les mages. Vous allez en voir dans tous les sens la couronne de la reine brisée. Comme précisé par Romento sur PC, quand elle est sortie, elle a pris... ça a bien mis une balle aux assassins. Donc probablement que la méta va beaucoup bouger, puisqu'on était depuis quelques temps dans une méta assassin, principalement depuis la sortie de la rune premier coup. Ça va peut-être, probablement, faire beaucoup varier la méta, notamment en faveur des mages. Nouvel objet également, qui n'est pas pour les mages, l'épée dentelée Chimico-Punk. Alors l'épée dentelée Chimico-Punk, je vous la montre. Elle est ici. Et l'épée dentelée Chimico-Punk se construit avec la marque du bourreau, donc l'objet dentile qui sert bien évidemment toujours à faire le rappel mortel, et avec un marteau de Caulfield hein, qui est l'objet qui fait des dégâts et de l'accélération de compétences. Alors, qui sert à faire plein de trucs d'ailleurs visiblement. Donc l'épée dentelée Chimico-Punk, son identité pour faire simple, c'est l'anti-heal pour les briseurs. Ça fait des PV, des dégâts de l'accélération de compétences. Et ça a le passif punition qui fait que infliger des dégâts physiques aux champions ennemis leur inflige 50% d'hémorragie. Donc c'est très très similaire au rappel mortel, à l'exception près que le rappel mortel il fait juste de la pénétration et de l'attaque. Là où lui à la place de la pénétration il a des points de vie, donc il est un peu plus adapté au briseur. Et le rappel mortel ne proc que sur les auto-attaques, là où ici ça proc sur tous les dégâts physiques. Donc si vous êtes, un assassin AD qui va pas forcément mettre beaucoup d'auto-attaques, mais beaucoup de sorts, type, je sais pas moi, un Z, ou si vous êtes un bruiseur, voilà, un off-tank, vous appelez ça comme vous voulez, type un Ekarim, un Renekton, ou tous ces personnages-là qui sont quand même beaucoup plus intéressés par les PV que la pénétration, eh bien, c'est l'item d'anti-heal qu'il faut aller chercher. L'alternateur X-Tech, bah voilà, on en avait parlé avant, donc j'ai pas besoin de vous le faire. L'atomiseur magnétique. Alors l'atomiseur magnétique, c'est un objet que en réalité vous connaissez déjà, même si vous ne le connaissez pas encore, donc il ressemble à ça. Il a exactement la même recette qu'avait avant le canon ultra rapide et qu'avait avant le poignard de statique. Le poignard de statique et le canon ultra rapide sont supprimés du jeu. Et cet objet-là, et bah en fait c'est les deux en un. Donc c'est un objet qui fait 25% de coup critique, 35% de vitesse d'attaque, 5% de vitesse de déplacement en passif unique. C'est-à-dire que s'il y a un autre objet qui a un passif qui s'appelle Ferveur, eh bien, il n'y a qu'un seul des deux qui fonctionne. Il a les attaques énergisées, qu'avait le canon ultra rapide, qu'avait le statique. Vos déplacements et vos attaques de base énergisent une attaque. Donc en fait, vous avez un petit passif en bas de l'écran sur lequel il est écrit 0. Quand vous vous déplacez, ça augmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Quand vous mettez des attaques, ils montent d'un coup, 20, 30, 40, 50. Et dès que c'est à 100... Eh bien, vous avez en votre possession, vous la gardez en votre possession, une attaque énergisée. Et la prochaine fois que vous attaquez quelqu'un, l'attaque est énergisée avec le passif Blitz d'énergie. Les attaques énergisées sont générées 25% plus vite, gagnent 125 de portée d'attaque, un peu moins sur les personnages de mêlée, infligent des dégâts magiques supplémentaires et les dégâts rebondissent sur 5 ennemis proches et peuvent être critiques. Donc, dans l'idée, c'est vraiment la fusion du canon ultra rapide et du poignard de statique. Ça fait que tous les temps de temps, vous allez avoir une attaque qui non seulement tape beaucoup plus loin, mais déclenche des éclairs qui y mettent des dégâts en plus et qui tapent en plus les gens. Donc potentiellement que ça va libérer des slots sur certains builds d'ADC qui aimaient bien faire les deux. On peut penser à des personnages comme Caitlyn. Le voleur d'âme de Mejai. On en a beaucoup parlé en stream tout à l'heure, un objet qui fait débat, un objet qui existe depuis très longtemps sur PC et qui a une identité un peu particulière. Alors c'est à ma connaissance le seul objet pour l'instant sur Wild Rift qui est un objet de palier intermédiaire. Donc il coûte que 1500, il se fait à partir d'un tome et il n'a pas d'évolution.
Voilà, on peut pas l'évoluer, donc c'est un objet moyen, si vous voulez, en termes de catégorie. Et c'est un objet qui est très intéressant, puisque pour son prix, il a des stats qui sont pas exceptionnelles. Voilà, pour 1500 pièces d'or, on a 100 points de vie, 30 de puissance, 5% de pénétration magique comme tous les items AP, effectivement. Et en fait, tout se passe dans son passif, qui s'appelle Gloire. Vous gagnez des effets de gloire après avoir éliminé un champion ennemi, jusqu'à un maximum de 30. Vous perdez 10 effets à votre mort. Les champions de mêlée gagnent 3 effets par élimination et 2 effets par assistance. Les champions à distance gagnent 4 par élimination et 2 par assistance. Donc en gros, du moment où vous achetez cet objet, chaque fois que vous faites un kill ou une assist, vous gagnez des charges. Et quand vous mourrez, vous en perdez. Donc c'est un objet au risque, haute récompense. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, si jamais vous faites que tuer des gens sans mourir, eh bien, ça va être génial. Et puis, si vous mourrez 3 fois, eh bien, c'est fini, il n'y a plus rien. Et donc, avec le deuxième passif peur, vous gagnez 5% de puissance par effet de gloire cumulé. 5 de puissance. Donc en gros, cet objet, si vous montez à 30 charges, il peut vous donner 5 x 30 plus 30. Donc cet objet peut vous donner 160 de puissance. Dans 180. Pour seulement 1500 gold. Donc 180 de puissance pour 1500 gold, c'est une dinguerie. Bon après, il faut en faire des kills. Hein. Il faut être à 10-0 et en général quand t'es à 10-0, c'est déjà une dinguerie. Mais voilà, ça permet d'accélérer le snowball encore plus. Par contre, on prend un risque fort, on se met une cible sur la tête et si on meurt, on perd une grosse partie de cette puissance. Cela dit, si on réussit à dépasser 10 effets, ça se fait assez bien. Hein. C'est réussir à faire 2 kills et une assist ou un kill et 3 assists avant de mourir. Donc vous allez malgré tout souvent l'avoir, et bien vous gagnez 10% de vitesse de déplacement bonus. Donc sur des personnages qui aiment et la vitesse de déplacement et la paix. On peut penser à Lilia, on peut penser à Evelyn, on peut dans l'absolu penser à Fizz ou à tout un tas de persos comme ça, c'est franchement pas inintéressant. Pour en avoir parlé beaucoup avec le chat et avoir testé un petit peu, a priori il est sans doute pas si dingue sur les assassins. Donc sur ce quoi on aurait pensé de base, les Evelyn et les choses comme ça. Parce que les assassins c'est des persos qui se mettent dans des situations risquées et qui ont tendance à mourir quand même. Et donc quand tu meurs, et bah tu perds tout. Du coup potentiellement que c'est bien sur les personnages et qui profitent de la puissance et qui meurent peu. Donc du coup sur les enchanteurs, voilà, donc sur Lulu, sur Yumi, sur Janna, sur Nami, sur Séraphine, on peut imaginer que c'est très intéressant sur ces personnages là pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est des personnages qui profitent beaucoup de la puissance. La deuxième c'est que c'est des personnages qui meurent peu, qui sont censés mourir peu. Et la troisième, c'est que c'est un objet qui est peu cher, donc pour le rôle de support, qui est le rôle qui a un peu moins de gold, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant sans être troll. Là où sur des assassins ou sur des mages, c'est quand même prendre un risque assez avancé, puisque si jamais on meurt et qu'on perd nos charges, et bah, on a dépensé 1500 gold pour pas grand-chose, et donc du coup, on perd une partie de notre snowball. Cela dit, pour avoir testé en jeu, l'objet peut se revendre pour 1050. Et donc il se revend pour 450 de moins que ce qu'on le paye. Donc si jamais vous l'achetez et que vous n'arrivez pas à conserver vos charges ou autres, vous pouvez le revendre, vous aurez perdu que 450 gold. Et donc de ce point de vue là, le risque est quand même assez minime. Le trident des océanides. On n'en a pas parlé encore de celui-là. Alors le trident des océanides, l'identité de l'objet est simple. C'est l'anti-bouclier pour les mages. Donc le trident des océanides, voilà, il ressemble à ça. Ça ressemble à un trident hein, pour le coup... Pour le coup, on s'y retrouve bien. Ça se construit avec une baguette explosive et un déguisement hanté. Et donc, c'est l'équivalent du crochet du serpent, mais pour les mages. Donc, on a des PV, de la puissance, de l'accélération de compétences, de la pénétration magique. Et le passif arme mortelle. Infliger des dégâts de compétences, donc de sort, à un champion ennemi réduit tout bouclier qu'il reçoit pendant 3 secondes. Donc du moment où vous avez cet objet et que vous touchez un ennemi, et bah, ses prochains boucliers seront moins bons. C'est un peu comme Hémorragie, comme l'anti-heal, dans le sens où ça applique un debuff, une marque sur l'ennemi qui fait que ses prochains boucliers seront moins efficaces. Les compétences à effet de zone réduisent les boucliers de 5% de la puissance bonus plus 25%, max 45%. Bon, ça, c'est des valeurs. Hein. Et les compétences à cible unique réduisent les boucliers. Blablabla. Ce qu'il faut retenir, c'est que les compétences à cible unique réduisent plus les boucliers que les compétences de zone. Alors la différence entre 60 et 45 n'est pas exceptionnelle, mais voilà, si vous avez un sort qui touche qu'un seul ennemi, un sort qui n'est fait pour toucher qu'un seul ennemi, pas un sort de zone mais qui touche qu'un seul ennemi, donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, la gold card de Twisted Fate, vous allez réduire la capacité des boucliers de vos adversaires de 60%, par contre ces cartes où il en lance 3 devant comme ça là, ça réduira que de 45. Quand vous infligez des dégâts à un ennemi non affecté par arme mortelle, vous réduisez tous ses boucliers actuels de la même valeur, donc ce que ça veut dire ça... C'est si vous touchez un ennemi qui a un bouclier, vous lui réduisez.
Si vous touchez un ennemi qui n'en a pas, dans les prochaines secondes, eh ben, il produira un bouclier moins important. Je suis pas sûr que le crochet du serpent ait cette partie-là, c'est à vérifier, mais c'est possible que ce soit encore plus fort. Donc si jamais vous affrontez des ennemis avec beaucoup de boucliers, si ça marche ok comme ça sur l'autre, très bien, merci. Donc un ennemi qui a beaucoup, qui génère souvent des boucliers, et bah c'est intéressant. Donc je vois pas pour Zix, me dit Bob Tracker. On peut imaginer que si tu joues contre Yasuo par exemple, qui génère des boucliers tout le temps, bah ça peut être franchement intéressant, puisqu'en fait, virtuellement, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu augmentais fortement les dégâts que tu mets sur une cible qui a un bouclier. Et contre les Lulu et toutes ces bêtises-là. L'anneau de révélation. Alors, l'anneau de révélation, c'est un nouvel objet de base. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu un nouvel objet de base. Donc, les objets de base, vous savez, qui font qu'une seule stat, eh bien, celui-ci, c'est celui qui fait de l'accélération de compétences. Donc, il coûte 400, ce qui est assez étonnant, puisque jusqu'à présent, tous les objets de base coûtaient 500. Donc, c'est un petit objet qui coûte 400, qui fait juste de l'accélération de compétences, qui est un passif qui n'est pas unique. Donc vous pouvez inventer des builds à base de 5 anneaux de révélation pour avoir 50 d'accélération de compétences très tôt dans la game, j'ai hâte de voir ça. Et ça rentre dans la composition de plein d'objets, ça rentre dans la composition de la brillance. Voilà, la brillance avant qui se construisait naturellement de base, bah maintenant il faut passer par ça. Ça rentre dans la composition du Luden, ça a été rajouté en plus. Ça rentre dans la composition du bâton de l'archange, pareil, ça a été rajouté en plus à la recette. Les corps harmonieux, pareil. Et la main du Sbi, le voleur d'âme éveillé, pareil. Donc c'est toujours les recettes que vous connaissez, mais on a rajouté cet objet-là. Et j'imagine qu'ils ont dû baisser le prix aussi. Donc désormais, on a un composant de base qui sert à faire de l'accélération de compétences. Anneau de révélation, construction, baguette... Attends, il y a un autre objet que j'ai pas vu. Non, ils se sont trompés. Hein. Ils se sont trompés dans le patch. Cette ligne-ci est à ignorer, elle ne veut rien dire. Hein. C'est la recette, oui, c'est la recette qui est au-dessus, c'est la recette du trident. Les lames déferlantes. Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les lames déferlantes? Ça me dit rien du tout. Je croyais avoir déjà vu tout le patch et celui-là, je ne l'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans quelle catégorie on trouve les lames déferlantes? C'est un item tiers 2. C'est un item tiers 2 de quoi? D'attaque, de défense, de magie. Item tiers 2 magique? Item tiers 2 magique. Je le vois pas. je les vois pas, tes lames déferlantes. Attends. On ne devienne pas fous tous ensemble. C'est censé. Ben non, c'est censé être fait avec deux armures d'étoffe. Donc c'est pas du tout dans magique si c'est fait avec deux armures d'étoffe. C'est un nouveau composant intermédiaire de tank. Oui, c'est ça, c'est un composant intermédiaire de tank. La lame déferlante, il se fait avec deux armures d'étoffe. Et donc du coup, désormais, pour fabriquer la plaque du mort, il faudra une lame déferlante. Pour fabriquer l'amarante, il faudra une lame déferlante. Et pour fabriquer la cape, la fameuse cape de l'heure ultime, eh ben, il faudra une lame déferlante aussi. Dans ton jeu, c'est magique. Ah bah ton jeu est buggé. Ton jeu est buggé. Donc ce nouveau composant, la lame déferlante, qui est fait avec deux armures d'étoffe, plus 300 balles qui coûte donc au final 1300, ça fait 40 d'armure. Et ça a un passif qui s'appelle concentration qui fait que vous gagnez 20% de résistance au ralentissement quand vous êtes en combat avec un champion ennemi. Donc, même si les objets que ça permet de créer sont pas forcément les objets qui vous intéressent, en tant que tank, s'il y a beaucoup de ralentissement en face, ça peut être intéressant d'avoir ça. Ensuite, changement pour les objets. Donc là on a vu tout ce qui est nouveau. Donc l'air de rien, ça fait pas mal de nouvelles choses. Je fais un rappel très rapide. Ce qu'il faut vous souvenir, c'est vraiment l'identité des objets. Ne vous embêtez pas à souvenir des détails. Donc la couronne de la reine brisée, c'est un objet pour les mages qui permet de résister. Voilà, qui vous donne un bouclier qui annule un sort et vous rend tanky au moment où ce sort est annulé. C'est un objet de défense essentiel pour les mages. L'épée dentelée chimico-punk, c'est l'anti-heal pour les briseurs. L'alternateur X-Tech, c'est un nouveau composant. L'atomiseur magnétique, c'est la fusion du canon ultra rapide et poignard de statique. Donc imaginez vraiment que c'est les mêmes stats que faisaient les items avec les deux passifs d'un coup. Le voleur d'âme de Mejai, c'est l'objet au risque, aux récompenses. Plus vous tuez de gens, plus vous gagnez de puissance. Et si vous mourrez, vous en perdez beaucoup. La couronne est une banshee premium, exactement. Le trident des océanides est un tout nouvel objet qui est la contrepartie
du crochet de serpent et qui est donc un objet anti-bouclier pour les mages. L'anneau de révélation est un nouveau composant de base qui donne de l'accélération de compétences et qui rentre dans la recette de plein d'objets de mages. Les lames déferlantes est un nouvel objet intermédiaire de tank qui fait de l'armure, qui rentre dans la composition de pas mal d'objets et qui permet de se prémunir contre les ralentissements. Maintenant, les objets qu'on connaît déjà, eh bien, ils changent. On en a déjà vu un paquet ensemble puisqu'on est allé voir les recettes, donc on va passer assez vite là-dessus. Au cours des précédents patchs, nous avons remarqué que certains objets étaient trop chers pour en valoir la peine, même si vous ratiez peu de sbires. Vous ne pouviez pas acheter d'objets complets avant votre premier appel, ce qui retardait votre build et votre pic de puissance. Ces ajustements devraient rendre vos builds plus faciles à faire. Nous voulions également en profiter pour nous pencher sur les objets de tireur, bien que des changements apportés aux tireurs il y a quelques patchs nous conviennent. Nous voulions faire quelques ajustements pour rendre certains objets plus viables et combiner les effets de différents objets. Donc comme on l'a vu, les gémeaux d'Amarante se font maintenant avec les lames déferlantes. Le bâton de l'archange se fait désormais avec un anneau de révélation et il gagne 5% de pénétration magique. Le voleur d'âme éveillé gagne 5% de pénétration magique et a besoin de l'anneau de révélation. Le BF Glaive, ah ça on l'avait pas vu tiens, ça c'est intéressant. Comme ça je m'en profite pour me curer le nez parce que devant la caméra c'est pas ouf et ça me gêne depuis tout à l'heure. Mais ne le dites pas, ne le dites pas. Donc désormais le BF Glaive se fabrique, ne s'achète plus nature mais se fabrique avec deux épées. L'idée de ce patch sur tous les changements, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'objets qui, de façon brute, coûtent directement 1000 ou 1500 et que tous les objets passent par des composants à 500. Donc, que ce soit le BF, que ce soit les objets de résistance, etc. Vous pourrez maintenant, à tous vos bacs, acheter un petit quelque chose qui avance votre build sans vous dire « Ah bah non, il me faut 1500 pour le BF Glaive et j'ai que 1300, du coup mon bac est pas intéressant. » Donc tous les bacs maintenant seront un peu plus intéressants. Et donc vous pourrez atteindre plus de pics de puissance. Le couperet noir. Le couperet noir, ils ont rajouté une épée longue dans le build, voilà. Donc avant ça devait être Fâche plus Gemme Exaltante plus 1000 gold. Donc ils ont divisé ça par deux. La soif de sang. Alors la soif de sang, elle change pas mal. Donc ce que faisait la soif de sang avant, elle faisait que lorsque vous aviez la soif de sang, vous aviez du vol de vie. Et si vous étiez full vie et que vous utilisiez votre vol de vie en tapant quelqu'un, vous gagnez un bouclier en plus. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas. Oublié. Donc désormais, la soif de sang, c'est juste un objet qui fait du critique, de l'attaque et du vol de vie. Et en plus, promesse de sang, vous gagnez des points de dégâts d'attaque et de la vitesse d'attaque quand vous avez plus de 50% de vos PV. Donc désormais, la soif de sang ne donne plus de bouclier, mais elle donne un bonus de dégâts et de vitesse d'attaque quand vous êtes au-dessus de la moitié de votre vie. Ce qui est aussi, en un sens, même si on n'est clairement pas au niveau du Mejai, un truc un petit peu risque-récompense, pardon. Je suis vraiment désolé. Si vous vous retrouvez en dessous de 50% de vie, eh bien, c'est chiant. Voilà. Mais au-dessus, c'est plus fort qu'avant. La volonté cosmique, comme la plupart des objets AP, gagne de la pénétration magique. Le réflecteur cristallin, alors lui, on l'avait pas vu venir. On le voit pas souvent build, et pourtant, il prend un gros nerf, le réflecteur cristallin. Il coûte plus cher qu'avant. Il fait des PV là où avant il en faisait pas. Il fait moins d'armure et il fait plus d'accélération de compétences. Maintenant il se fait avec un protège-bras du savant et un déguisement hanté. Et oublier son ancien passif, le nouveau passif c'est lancer une compétence vous octroie un fragment de miroir qui dure 3 secondes. La durée des fragments ne se cumule pas. Ça veut dire que si vous lancez un sort maintenant et un autre 2 secondes après, et bien une seconde après le deuxième sort, vous avez à nouveau plus qu'une seule charge. Tant qu'il existe, ce fragment bloque des points de dégâts physiques venant d'un champion ennemi et inflige des dégâts magiques équivalents un pourcentage de votre puissance et vos PV bonus. J'ai le sentiment qu'ils ont un peu tué l'item. C'est un objet qui est principalement fait sur les mages, qui veulent un peu d'armure. Donc on met moins d'armure, on retire l'accélération de compétences, qui rend le tout beaucoup moins intéressant pour les mages. On rajoute des points de vie, ce qui fait que c'est plus intéressant sur les tanks, les bruiseurs, mais je les vois pas non plus faire cet item-là. Et c'était quoi déjà cet item? Bah attends, je te le montre, histoire que vous ayez un petit aperçu. C'est celui-là, le réflecteur cristallin. C'est celui qui fait que quand tu te fais taper, ça fait ding 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 ding. Donc même contre les full AD, il perd de l'intérêt. J'ai du mal à voir ce qu'ils veulent faire de cet objet. J'ai un peu l'impression qu'il est un peu mort. Je suis assez étonné. On verra s'il trouve sa place dans la méta, mais je comprends pas trop. D'autant que j'ai l'impression que le nouveau passif, c'est le même en moins fort, à peu près. Ça bloque rien, ouais. Ça bloque, c'est 8 à 15 dégâts. Pff, ça bloque rien. La danse de la mort. Nous avons découvert que l'effet saignement de cautérisation sur les monstres et les sbires pouvait interrompre le rappel des joueurs.
ce qui gâchait le temps de rappel et amenait parfois les joueurs à se faire attraper par leurs ennemis. Nous avons retiré l'effet de cautérisation sur les monstres et les sbires afin que les joueurs puissent terminer leur rappel au plus vite. On rappelle que la danse de la mort, elle a un effet qui fait que quand vous vous prenez des coups, vous prenez des coups à crédit. C'est-à-dire qu'au lieu que votre barre de vie fasse paf, et ben en fait votre barre de vie a fait... Disons que ça transforme les coups que vous prenez en coups sur la durée. Vous perdez au final autant de points de vie, mais sur la durée, ce qui a l'avantage que si le coup est censé vous tuer, et ben il va pas vous tuer tout de suite. Et vous aurez 2-3 secondes pour vous soigner, manger une plante ou que quelqu'un vous soigne. Le problème, c'est que du coup, ces coups sur la durée, et ben en fait, ça vous empêche de back, puisque vous êtes en train de prendre des coups, et ça peut être un peu chiant. Donc désormais, quand vous vous faites taper par des monstres ou des sbires, et bien ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus que contre les champions. Donc ça change pas grand chose dans la pratique, mais de temps en temps, on va être content de ce petit changement, c'est une petite qualité de vie. La plaque du mort, on l'a vu, la construction est mise à jour, elle utilise les nouvelles lames déferlantes, idem pour le manteau de la nuit, et ils se sont trompés. Ils se sont trompés, je pense, puisqu'on a vu ça utilisait aussi le nouvel item. Bon. L'écho harmonieux utilise l'anneau de révélation. Le déguisement en t-coûte un peu moins cher, mais fait un peu moins de points de vie. Comme il est utilisé dans plus de recettes et qu'il y a la volonté que il y ait plus d'objets qui coûtent moins cher, je pense que c'est ça l'idée. L'exterminateur. Qu'est-ce que c'est déjà l'exterminateur ? Qu'est-ce que c'est déjà l'exterminateur ? Alors je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en tête. Ah, c'est le truc... C'est l'ex-drinker ? Ça s'appelle exterminateur ? Ah oui, c'est celui qu'on appelle toujours ex-drinker. Et en fait, sur Wild Rift, ça s'appelle exterminateur. Et bah du coup, il coûte moins cher, il fait plus de dégâts d'attaque et moins de résistance magique. Ah, c'est un peu bizarre aussi comme mise à jour, puisque c'est un objet qu'on fait surtout pour la résistance magique. Et il fait plus de bouclier. Donc il fait plus de bouclier. Donc c'est un gros nerf de l'ex-drinker. Il faudra vraiment aller jusqu'à Malmortus pour profiter de la résistance magique et du bouclier. Sachant que la résistance magique du Malmortus n'a pas bougé. Et le passif de Malmortus n'a pas bougé. Simplement, pendant sa construction, quand on est qu'au stade exterminateur, c'est beaucoup moins fort qu'avant. C'est vrai que la lame de Malmortus, elle n'était pas souvent faite. Et que souvent, bah, les bruiseurs, notamment en top lane, dans des match-up AP, avaient tendance à faire juste le ex-drinker et en rester là pour tenir la lane. Désormais, soit ils le font pas et donc ils auront pas la résistance magique, soit ils le font et ils seront obligés de commit jusqu'à la gueule de Malmortus. Je comprends l'idée, c'est pas inintéressant. C'est un nerf indirect de certains matchups, c'est un nerf de l'item, mais la dynamique que ça apporte est pas inintéressante dans le sens où bah voilà, hein, t'as décidé de partir sur cet objet, il faut aller sur cet objet, assume maintenant. Concentration lointaine, comme tous les items AP, gagnent de la pénétration magique. Le briscoque est un peu plus cher et donne un peu plus de PV. C'est un nerf indirect aux stratégies de split push. Après, là, on est vraiment sur des valeurs peu significatives. L'orbe d'infini gagne de la pénétration magique, comme la plupart des items AP. Le point de Jorim, qui sert de mémoire à construire justement le briscoque et peut-être bien le pourfendeur divin et très certainement le stérac, coûte moins cher et fait moins de PV. Donc, en fait, il y a une bascule qui est faite. Hein. Voilà, entre les deux items. Le dernier souffle coûte plus et ne donne plus de pénétration d'armure, mais en fait, il donne plus de pénétration d'armure. Voilà. Le dernier souffle qui ne sert plus qu'à faire un seul item, puisqu'on va y venir juste après. Le truc de Dominique n'existe plus. Hein. Le tourment de Liandry gagne de la pénétration magique et un petit peu de PV. Sa recette est un peu modifiée. Le fléau de la liche gagne de la pénétration magique. Sa recette est un peu modifiée. Le chapitre perdu ne donne plus d'accélération de compétences, donc voilà, on va pas analyser ça dans le détail, mais voilà, dans le flux de construction des objets, il y a certaines stats qui sont retirées du palier 2, qui sont gardées au palier 3, ou inversement, de façon à lisser un petit peu les courbes de progression. Bon, quand un objet, comment ils appellent ça ? Quand un objet de palier intermédiaire est modifié, en général, ça bouleverse pas la méta parce que vous ne faites jamais un objet de palier intermédiaire juste pour le faire. Vous le faites toujours parce que vous allez chercher un objet qui est de palier amélioré. Ça s'appelle amélioré. Donc les objets finis. Mais du coup, ça va changer un petit peu votre courbe de progression et votre courbe de puissance au fur et à mesure de la partie. J'ai raté le récap en une minute. Tu n'as pas raté le récap en une minute. L'écho de Luden gagne de la pénétration magique. Et passe par l'anneau de révélation. Le manteau de leur ultime, on l'a vu tout à l'heure, les lames déferlantes. Ah, Malmortus. Donc il y a quand même aussi un nerf de Malmortus ou un up.
Malmortius coûte 2000 de plus, mais fait 10 dégâts de plus. Et il faut deux ex-drinkers. Il faut deux ex-drinkers pour le faire. Supprimer lien vital, supprimer volonté vitale. Donc oubliez ce que j'ai dit sur le bouclier de Malmortius. Visiblement, Malmortius est totalement changé. Alors c'est quoi le nouveau Malmortius? Fléau des démons. 20% des dégâts infligés sont convertis en un bouclier anti-dégâts magiques capable d'absorber jusqu'à 60 à 400 points de dégâts magiques. Le bouclier se désagrège de 5% par seconde. Ah! Donc c'est très intéressant. Donc avant Malmortius, ça faisait que quand vous descendiez sous un certain nombre de points de vie, vous gagniez un bouclier anti-dégâts magiques. Désormais, tant que vous êtes en train de vous battre, vous générez un bouclier anti-dégâts magiques auto-régénérant. Donc c'est probablement plus intéressant pour les briseurs qui vont rester dans un fight pendant une durée assez longue contre un personnage AP. Donc peut-être qu'effectivement, le nerf sur exterminateur est intéressant parce que Malmortius est plus intéressant maintenant à faire. Ah, c'est pas mal. Morellonomicon, 7% de pénétration magique comme à chaque fois. Et l'hémorragie passe à 50% pendant 3 secondes. Il n'y a plus d'histoire de si l'ennemi a plus ou moins de points de vie, l'hémorragie est différente. Donc maintenant, l'anti-heal, c'est 50%. L'anti-heal, c'est 50%. Le rappel mortel coûte plus cher, mais moins de dégâts, mais il gagne du crit. Voilà, donc le rappel mortel a fusionné avec Dominique. C'est-à-dire que désormais, le rappel mortel, c'est anti-heal et crit et pénétration. Si je dis pas de bêtises, on peut aller vérifier ça ensemble pour avoir le détail exact. Si j'arrive à le trouver. J'ai dû le passer. Comment ça, je trouve pas. Parce que je suis fou. Il est là. Donc le rappel mortel, il fait de la pénétration magique, des dégâts d'attaque et du crit. Donc le rappel mortel fait du crit là où avant il n'en faisait pas. Ce qui fait que désormais le rappel mortel est quand même assez exclusivement réservé aux ADC et aux quelques champions crit qui sont pas des ADC, type Train d'Amer, Yasuo, Maître Yi. Et pour les bruiseurs, ce sera l'épée dentelée Chimico Punk. Hein. Clairement. Et pareil, l'hémorragie, elle passe à 50% tout le temps. Je suis mitigé sur ce changement. La Malmo permettait de tanker un burst là où maintenant ça te force à être en combat. C'est effectivement le cas, hein, comme tu le dis. Après, l'idée de te forcer à être en combat est pas inintéressante et ça rentre dans la fantaisie des bruiseurs. Tu vois, l'idée d'être des champions qui aiment se taper, qui aiment être au corps à corps. Est-ce que c'est un nerf ou un up? C'est difficile à dire. J'ai tendance à dire en lisant ça que ça m'a l'air plus fort qu'avant et je pense que dans la pratique, on va générer sur la durée plus de boucliers. Probablement que c'est un nerf de la résistance que ça a apporté contre les bursts et c'est un up contre les DPS. Quoi. La dent de Nashor est un petit peu changée. La baguette trop grosse, tout comme le BF Glaive, se fait désormais avec deux tomes d'ampli. Voilà. Le carquois zénitien, un peu plus cher, un peu plus de vitesse d'attaque. Le phage, un peu moins cher, un peu moins de PV. Le danseur fantôme, changé de recette. La coiffe de Rabadon a désormais de la pénétration. Et très important. Ça, c'est probablement l'un des changements les plus importants. On va attendre le raid de Traders. Bienvenue Traders, merci à toi, bienvenue à toi et tes 8 potes, installez-vous confortablement, on est dans un moment un peu compliqué, on est en train de lire le patch, il y a beaucoup de choses, alors on essaie d'être exhaustif et malgré tout de pas trop se prendre la tête, mais il faut rester concentré. Donc la coiffe de Rabadon les amis, avance à augmenter la puissance de 40%, donc au moment où vous achetez le Rabadon, bah, vous prenez toute la puissance que vous avez et pouf, vous rajoutez 40%, ce qui fait que le Rabadon a toujours été un objet qui est bien en 3-4ème item, quand vous avez déjà de la puissance. Maintenant, eh bien, c'est plus 40% fixe, c'est en fonction de votre niveau. Alors, au niveau 15, c'est 45%. Ce qui fait qu'un champion full build avec un Rabadon niveau 15 aura plus d'AP qu'au dernier patch. Par contre, avant le niveau 12-13, eh bien, ça donne moins qu'avant. Du coup, le Rabadon devient un objet late game. La question n'est plus est-ce qu'il faut le construire en premier ou deuxième ou troisième ou quatrième item. La question est, c'est pas très dingue d'acheter un Rabadon si votre personnage est niveau 5 ou 6. Voilà. Donc le Rabadon, plutôt late game maintenant. L'arc courbe est tellement plus cher. Il se fait avec deux dagues. Bon, il rééquilibre un peu tout. Désormais, l'arc courbe fait des dégâts supplémentaires à l'impact. Très bien. Le créateur de faille gagne de la pénétration magique. Comme tous les objets AP quasiment. Il passe par l'alternateur X-Tech, on l'a vu tout à l'heure. Le Sécular gagne de la péné magique. L'Ouragan de Runan. Alors, l'Ouragan de Runan, il faut en parler. Puisque l'Ouragan de Runan, désormais, il n'est plus dans l'onglet attaque. L'Ouragan de Runan, désormais, il est dans l'onglet magique. Et donc, c'est un objet qui sert pour
les personnages AP qui mettent des auto-attaques. C'est un objet de Timo, Kyle, Kaïsa, Twitch. Donc le Ouragan de Runan ne fait plus du tout de critique. Plus du tout. Et il se fabrique maintenant avec la serre de Nashor, qui est le même composant que la dent de Nashor. Donc en fait, regardez, serre de Nashor, arc courbe. Il était où le dent de Nashor? C'était plus haut, on s'en fout. Donc désormais, la dent de Nashor et l'ouragan de Runan ont exactement la même recette. C'est exactement la même recette pour les deux. Désormais, il nous donne un nouveau passif qui fait que vous gagnez 30 points de dégâts d'attaque ou 60% de puissance, bonus adaptatif. Donc en fait, en réalité, ça dépend de votre personnage. Si vous jouez un personnage AD, bah, ça va vous donner de l'AD. Si vous jouez un personnage AP, ça va vous donner de l'AP. Donc certes, il est dans magie, mais c'est un objet qui, bah, comme la dent de Nashor, au final, est ni AP ni AD. Même si dans la pratique, c'est plutôt les persos orientés AP qui ont tendance à faire ces trucs-là. Et puis, il donne plus de critiques. Et il a toujours les deux petites boules. Et les deux petites boules infligent des dégâts physiques supplémentaires à l'impact. Voilà. Donc, il va falloir s'habituer à ça, voir ce que ça fait. Je pense que sur Timo, Kyle, Twitch et Kaïsa, c'est pas mal. On l'a vu dernièrement. Bah, on l'a vu hier en compétitif. Après, pendant la compétition, c'était le premier jour avec le patch. Donc, les joueurs testaient des choses. Mais on a vu des Kaïsa qui jouaient une game sur deux... Runan, une game sur deux dans Nashor, selon si l'équipe adverse était plus ou moins paquée. À voir ce que devient cet objet. L'étreinte du Séraphin gagne 7% de pénétration magique, comme tous les objets AP. Changement du coup sur le fonctionnement de l'anti-bouclier du crochet de serpent, donc exactement le même fonctionnement que le trident. Si l'ennemi a un bouclier au moment où on le tape, on lui réduit. Et dans tous les cas, après avoir tapé un ennemi, pendant les 3 secondes qui suivent, eh ben, il se prend des boucliers moins bons. La brillance, on a vu qu'elle se faisait maintenant avec l'anneau de révélation. Le gage de Sterak. Nous avons remarqué que la dissipation progressive du bouclier ne profitait pas autant aux joueurs que prévu. Nous avons donc ajusté cette mécanique. Désormais, la dissipation dépend de la valeur actuelle du bouclier plutôt que sa valeur max. Optimisation de la mécanique de dissipation du bouclier. Quand le bouclier est partiellement détruit par les attaques ennemies, il ne tombe pas à zéro en avance. C'est long. Ouais, c'est... Bah, je vous avais dit que c'était long. Hein. Je suis désolé pour ça. C'est comme ça. C'est pas clair. C'est pas clair. On s'en fout. Côte épineuse, eh ben pareil, l'antile de la côte épineuse change. Quand vous êtes touché par l'attaque d'un champion ennemi, vous infligez des dégâts et 60% d'hémorragie. Donc en fait, la côte épineuse est maintenant le meilleur objet d'hémorragie, puisque tous les objets antiles sont désormais à 50% fixe et la côte épineuse est à 60%. Le zèle, on change 2-3 petites choses. Et les objets retirés, alors normalement... Un patch gros comme ça, c'est que tous les 3 mois. Oui, c'est les gros patchs. C'est le patch qui n'a pas de lettres. On est au 4.4 qui arrive après le 3.9. Le 4.9, non. 4.4 qui arrive après 4.3. Je vais y arriver. Hein. Ça fatigue. Hein. Qui arrive après le 4.3D. Donc, le voile de la Banshee n'existe plus puisqu'il a été remplacé par la couronne de la Reine Brisée qui est globalement mieux. Salutation de Dominique n'existe plus puisqu'en fait, il a été fusionné dans le dernier souffle. Le dernier souffle qui désormais fait du crit. Le canon ultra rapide et le poignard de statique ont été fusionnés en un nouvel item qui s'appelle, j'ai oublié le nom donc je regarde sur mon téléphone, vous ne m'en voulez pas, j'arrive pas à le trouver donc là vous pouvez commencer à m'en vouloir, qui s'appelle l'atomiseur magnétique. L'améthyste du néant qui était un composant qui ne servait qu'à faire le bâton du vide est supprimé et le bâton du vide est supprimé puisque tous les objets magiques ont désormais de la pénétration. Donc en fait on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets qui sont supprimés mais sans être supprimés. Parce qu'ils ont été mélangés à d'autres objets. Ce qui va libérer de la place dans des builds. Hein. Changement des runes. Ah, au patch dernier, nous avons introduit un nouveau système de runes qui a rajouté de nombreuses nouvelles runes. Permettant à vos champions d'avoir diverses façons d'infliger des dégâts aux ennemis. Pour qu'il soit plus simple de savoir d'où proviennent les dégâts ou de voir les valeurs que les runes vous confèrent directement dans la partie, nous avons ajouté une nouvelle fonction pour les stats et effets des runes. Au cours de la partie, vous pourrez voir les bénéfices de chacune de vos runes vous apporte en temps réel, directement depuis l'onglet runes du panneau stratégie. Et pas de panique si vous aviez oublié de regarder pendant la partie ou lorsque vous étiez trop occupé pour ça, vous pourrez retrouver toutes ces stats après la partie, ainsi que les stats des runes de vos alliés et de vos adversaires. Du coup, maintenant, quand vous ouvrez le panneau des scores, vous savez, à droite du panneau des scores, vous avez des petits onglets. Un qui vous permet de voir vos stats détaillés, un qui vous permet de voir les détails de vos sorts. Désormais, il y en a un nouveau qui permet de voir toutes vos runes. Donc vous pouvez checker vos runes pendant la partie. Et les stats des runes sont mises à jour en direct. Donc vous allez voir combien de fois vous avez proc électrocute, combien de dégâts ça a mis au total,
combien de fois vous avez proc Poigne de l'Immortel, combien de points de vie ça vous a donné au total, etc. Et ça vous permet de façon un peu plus précise, lorsque vous faites du theory crafting, de voir quelle rune a un bon effet ou pas. Et à la fin de la partie, dans le tableau des scores, vous avez un petit bouton en bas à gauche qui vous permet de voir les détails des effets des runes de tout le monde. Donc, c'est pas tout le monde qui va utiliser cette fonctionnalité, mais c'est très bien qu'elle soit là. On me demande s'il y a un rééquilibrage des champions. Il n'y a pas de rééquilibrage des champions, dans le sens où il n'y a pas de buff ou de nerf. Il y a tous les objets AP qui changent, il y a les nouveaux objets, il y a les objets supprimés. Il y a beaucoup de mages qui ont leur vitesse de déplacement augmentée. Il y a beaucoup de mages qui ont certains de leurs sorts qui vont se lancer plus vite. Il y a des changements au jeu. Il va jouer un jour le streamer. On fait le patch, il faut le faire, c'est bien. Alors ça, changement énorme. Peut-être les gens ne sont pas au courant. Désormais, il existe les âmes de dragon. Alors qu'est-ce que c'est que les âmes de dragon ? Quand une équipe tue 3 dragons d'affilée, elle gagne un buff d'âme de dragon supplémentaire qui octroie un nouvel effet bonus. Donc si jamais votre équipe tue 3 dragons, eh bien elle aura non seulement les bonus octroyés par les dragons 1, 2 et 3, mais un bonus supplémentaire qui s'appelle l'âme du dragon. Du coup, ne laissez pas les adversaires tuer 3 dragons. L'élément du buff d'âme du dragon est le même que celui du premier dragon apparu, qui est aussi celui qui change l'environnement de la carte. Donc admettons, le premier dragon est un dragon de feu. Il est tué, on passe en map de feu avec les murs qui brûlent. Il y a un dragon d'eau, il y a un dragon de glace. Et bien si une équipe arrive à tuer les 3, et bien il aura l'âme. Alors c'est d'affilée, oui c'est d'affilée, c'est la première équipe à 3 parce que de toute façon sur Wild Rift il n'y a que 3 dragons. Sur Wild Rift il y a 3 dragons puis l'ancestral quoi qu'il arrive. Donc la première équipe à 3 dragons est forcément celle qui aura tué 3 dragons d'affilée. Ça ne prend pas en compte l'ancestral, hein, c'est que les 3 dragons colorés. Si aucune des deux équipes n'élimine les 3 dragons de la partie, aucune équipe n'obtiendra de buff de l'âme du dragon. Donc le buff, il y a des parties où il y sera, il y a des parties où il y sera pas. Alors qu'est-ce que font les buffs de l'âme du dragon ? Bah ça dépend du dragon. Le buff de l'âme du dragon infernal octroie 3% de dégâts bonus et de puissance. Et son effet fait que quand vous infligez des dégâts à un champion ennemi avec une attaque ou une compétence, ça déclenche une explosion de 2 timos ennemis de rayon, c'est énorme ! À l'emplacement de la cible, l'explosion inflige des dégâts adaptatifs, donc AP ou AD, avec 5% de récupération. Donc si vous avez l'âme du dragon infernal, ça pète dans tous les sens. L'âme du dragon des montagnes. Vous gagnez un bouclier de 210 PV tant que vous n'avez pas subi de dégâts de champion ou de tourelle depuis 5 secondes. Donc c'est un gros bouclier qui se régène et qui revient souvent. Pour donner sa vie pour le troisième Drake maintenant. Si tu as les deux premiers, oui. Et si l'équipe adverse a les deux premiers, oui. Le buff du dragon des océans. Déjà... génère 2% des PV manquants toutes les 5 secondes, en combat ou pas, c'est stylé. Quand vous infligez des dégâts à un champion ennemi avec une attaque ou une compétence, vous récupérez un certain montant de PV en 4 secondes. Voilà, donc c'est du vol de vie. C'est un vol de vie toutes les 6 secondes. Le dragon de glace donne encore plus d'accélération de compétences. Et quand vous infligez des dégâts à un champion ennemi avec une attaque ou une compétence, vous le marquez pendant 3 secondes. Quand la marque disparaît, le champion ennemi est ralenti et subit des dégâts bruts équivalents à 10% des dégâts qu'il a subis pendant qu'il était marqué. Donc faut imaginer que quand vous avez le dragon de glace, c'est comme si toutes vos attaques appliquaient des mini ulti de Z qui slow. En gros. Ça a l'air pas mal. Vous inquiétez pas, on est au bout du patch, les amis. Ajustement des dégâts aux tourelles. Là, on rentre dans du technique, hein, donc je vais passer assez vite. Au cours des patchs précédents, il y a eu plusieurs problèmes liés aux dégâts infligés par les champions au bâtiment. Tout d'abord, les champions aux dégâts hybrides ne pouvaient pas infliger de dégâts aux tourelles à la fois avec leurs dégâts d'attaque et leur puissance. De plus, les champions dotés des objets de puissance infligeaient des dégâts anormalement hauts aux tourelles, tout particulièrement en fin de partie, et à tel point que ces dégâts étaient bien plus importants que ceux des champions aux dégâts d'attaque. Nous avons donc apporté des ajustements afin de corriger les problèmes. Donc, désormais, la nouvelle formule pour comment on tape les tours, c'est dégâts d'attaque de base du champion, plus dégâts d'attaque bonus, plus 40% de la puissance. Donc avant, on avait un bonus qui était beaucoup plus gros sur la puissance, et en late game, les mages, ils faisaient fondre les tours. Désormais, c'est un peu plus rééquilibré, voilà. On est sur du calcul mathématique, mais vous allez sentir la différence. Les personnages AD vont taper un peu plus fort les tours, les personnages AP un peu moins fort. Le poro fantôme, cette saleté de poro fantôme. On peut le buter maintenant. Pour fantôme a 3 points de vie et est étourdi après 3 attaques. Alors il y a 3 points de vie, en réalité c'est pas des points de facile, il faut taper 3 fois dessus. Une attaque n'enlève pas 3 points de vie. Le pour fantôme n'octroie plus de vision pendant qu'il est étourdi et il se rétablit au bout de 60 secondes. Donc désormais vous pouvez buter le pour fantôme adverse et il reviendra qu'une minute après.
Donc si vous voulez pranker dans la jungle adverse, vous y allez, vous butez le poro, vous vous foutez dans la buisson, vous posez votre pink, et vous avez une minute peinard où le premier qui passe trépasse. S'il n'est pas étourdi, il récupère des PV après 5 secondes, donc c'est la même mécanique que les Ward Rose, hein, c'est si vous commencez à le taper mais que vous le tuez pas, ça va remonter. Mais voilà, super, ça c'est bien, ça on adore, merci Riot Games, meilleure entreprise de jeux vidéo sur mobile de la Terre. Soin. Le soin, c'est un sort d'invocateur, donc comment il fonctionne le soin maintenant? Il rend un certain nombre de PV aux champions alliés proches, le plus blessé et à vous, et octroie à tous les deux 30% de vitesse de déplacement pendant une seconde. Les soins sont réduits de moitié pour les champions qui ont récemment été affectés par les soins. Alors qu'est-ce que ça change? Ah, le soin est plus fort, on passe de 60-242 à 90-370. Et le vitesse de déplacement passe de 20 à 30. Cet effet est augmenté de 100% pour les champions alliés. Ah oui! Alors avant, le soin donnait 20% de vitesse à vous et 40 à l'allié, maintenant c'est 30 aux deux. Bon, il est un peu plus fort. Châtiment, celui que vous appelez Smite. Quand le sort châtiment est équipé, la barre de PV des monstres indiquera le palier à partir duquel châtiment permettra d'exécuter des monstres. Donc ça, on l'a vu ensemble in-game, il y a une petite barre, comme la barre de Lastite sur les sbires, bah c'est pareil pour les sbires de la jungle. Du coup, avec Soraka, si tu heal into soin, il y aura moins d'impact. Non, 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 c'est soin avec une majuscule. C'est soin avec une majuscule, ça a toujours été le cas. C'est si tu mets deux heals d'invocateurs d'affilée, le deuxième est réduit de moitié. Ça a toujours été comme ça pour empêcher les gens de faire une équipe avec 5 soins, d'appuyer tous au même moment dessus et que toute l'équipe revienne full vie. La meuf veut des loups boutins, mais nous on préfère les soins. Ouais, je l'ai. Le héros de la faille. Fameux héros. Cela peut être frustrant lorsque l'équipe ennemie invoque le héros de la faille pour attaquer le Nexus directement sans aucun sbire. C'est quand même assez rare, hein. Cette stratégie n'est pas non plus bonne pour le rythme des parties, nous avons donc ajusté le héros. Enfin, permets-moi Riot Game de te dire que si mon équipe est en capacité d'invoquer le héros sur les Nexus adverses, c'est que le rythme de la partie est quand même déjà bien entaché. Du coup, le héros de la faille ne fait plus que 25% des PV max du Nexus, Mazette, et il meurt après avoir frappé le Nexus. Il meurt. Tout comme la menthe religieuse mâle meurt après avoir frappé... Vous l'avez. Ça avantage ceux qui savent pas snipe et les bons jungle qui smite très bien sont pénalisés. Non, je pense pas parce qu'en réalité, dans tous les cas, si tu es un bon jungler, tu vas jamais smiter à 800. Tu vas smiter quand le monstre il a 1500, 1300, 1400 parce que tu vas faire sort plus smite. Donc en fait, si tu es un bon jungler, tu vas quand même totalement ignorer ce truc là. Et je pense que c'est plus un truc éducatif pour les nouveaux joueurs, mais qui pour les bons joueurs change rien du tout, quoi. Parce que dans tous les cas, tu vas quand même calculer 800 plus mon sort qui fait 200, donc je balance le combo à 1000. Et tu vas continuer à regarder les points de vie et ignorer ce truc-là, quoi. Et je pense que c'est même contre-productif, parce que voilà, Azimuth dit que ça permet de se focus plus sur la barre que sur le nombre. Pour moi, si tu veux faire le bon combo, par exemple avec Nunu, tu vas manger smiter. Avec Lee Sin, tu vas Q smite, avec Kha'Zix, tu vas Q smite. Si tu veux faire ça bien, il faut te concentrer plus sur le nombre. Et donc justement, si on encourage les nouveaux joueurs à se concentrer plus sur la barre, ils vont rester nuls plus longtemps. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à regarder la cocotte TV. Changement ergonomique. Attends, on arrive... Oh, et c'est la fin, les amis. Quand un champion ennemi est attaqué en continu par une tourelle, la dernière attaque ne sera plus interrompue par la distance si le champion ennemi quitte la portée d'attaque max de la tourelle. Alors ça, c'est un détail, mais parfois ça arrivait, notamment avec un Ezreal qui blink ou des trucs comme ça, que la tour commence à envoyer le coup de tour et que le coup de tour disparaisse parce que le champion est parti trop loin. Ça n'arrivera plus. Il va mourir. Optimisation de la page de la boutique en jeu. On s'en fout. Optimisation de l'annonce de réapparition du cimier d'éveil et du cimier des cendres. Il y a désormais une nouvelle annonce dans la messagerie lorsque les premiers monstres en chantement améliorés apparaissent. Appuyez sur la minimap. Alors, ça, si vous avez vu in-game... Quand le buff bleu ou quand le buff rouge va réapparaître, au lieu d'avoir le petit sablier qui devient jaune en vous disant « c'est à peu près dans moins de 20 secondes », maintenant, 20 secondes avant la réapparition du bleu et du rouge, on a un timer exact. Donc ça, pareil, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce un avantage ou un inconvénient? Est-ce que ça aide les nouveaux, les anciens joueurs? Qu'est-ce que ça change stratégiquement? C'est toujours difficile à dire à partir du moment où, de toute façon, c'est disponible pour tous les joueurs. Donc... un avantage donné d'un côté, un avantage donné de l'autre, la balance reste dans l'état où elle était. Appuyer sur la mini-icône d'un allié près de la mini-carte indique désormais le délai de récupération de leur compétence ultime. Donc ça, c'est super. En haut à gauche de l'écran, vous avez la mini-map et vous avez à côté les icônes des copains. Et bah, si vous voulez savoir votre Amumu dans combien de temps il a son ulti, et bah, vous tapez sur le Amumu, ça va écrire dans le chat « ulti dans 12 secondes ».
Ça, c'est très pratique. Ça, c'est très pratique. Optimisation du tableau des scores, on sait pas ce que ça veut dire, mais voilà. Et puis, des nouveaux skins qui vont arriver. Autre changement. Ah, c'est pas fini. Correction d'un bug à cause duquel la deuxième compétence de Gwen la rendait impossible à cibler par effet de bond et les dégâts de T-Burst. Oh putain, c'est précis. Hein. Correction d'un bug à cause duquel le bond de T-Burst n'interrompait pas l'effet camouflage de la troisième compétence de Senna. Mais T-Burst avait pété le jeu, en fait. Correction d'un bug à cause duquel la réactivation de la première compétence de Thresh était annulée par un enchantement vif argent ennemi après le premier coup à l'impact. Eh, ils sont allés les chercher loin, c'est du bon boulot. Hein. Correction d'un bug à cause duquel la réactivation de la compétence ultime de Panthéon brisait les boucliers anti-sorts des champions ennemis mais n'infligeait que la moitié des dégâts d'origine. Mais comment ils ont vu ça? Correction d'un bug à cause duquel la deuxième compétence de Shyvana faisait disparaître les boucliers anti-sorts des champions ennemis lorsque Shyvana les attaquait. Correction d'un bug à cause duquel les champignons de Teemo faisaient disparaître les boucliers anti-sorts des champignons ennemis. Genre les champignons de Teemo, ils faisaient péter le Black Shield de Morgana. Et récupération, première compétence de Varus était réduit même lorsque la... Bon, je lis un... Voici un truc intéressant. Correction d'un bug à cause duquel la compétence ultime d'Urgot faisait disparaître le nom du champion ennemi après sa mort et sa réapparition. Ça, c'est drôle. Ouais. Ah, Warwick n'avait pas de réduction du cooldown de son premier sort quand il tuait des sbires. Up Warwick. Correction d'un bug à cause duquel l'assistance n'était pas comptée lorsque la compétence ultime de Vladimir touchait Sion et que Sion était tué par la tourelle. Vous voyez, quand on dit que Welldrift est supérieur à League of Legends PC parce qu'il n'y a aucun bug, bah c'est pas vrai. Mais les bugs qu'il y a, ils sont quand même précis. Hein. Il faut tomber dessus. Hein. Et je trouve ça assez fort, en réalité, en tant que développeur, je dis ça, de la part de Riot, d'arriver à être au courant qu'il y a ces bugs-là et d'ensuite les corriger. Franchement, c'est du bon taf. Hein. Franchement, c'est du bon taf. Ok. Oh. Et ben, on va faire le speed patch en une minute. Ce sera peut-être pas en une minute. Je vais essayer de passer que sur les points intéressants. Si jamais vous étiez pas là au début ou que vous avez pas écouté ou que vous vous en foutiez ou que vous êtes sur YouTube et que vous connaissez les bails, et ben vous savez qu'il fallait cliquer maintenant. C'est le patch en une minute, le patch 4.4 est sorti officiellement le 25 octobre 2023, il est actif aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce patch? Eh bien dans ce patch il y a Fiddlesticks, il y a un nouveau pass, c'est une nouvelle saison classée qui fonctionne exactement comme la précédente. Nous aurons le 10 novembre le mode arène, on s'en fout. La plupart des mages courent un peu plus vite. La plupart des mages ont leur attaque signature qui se lance un peu plus vite. La couronne de la reine brisée remplace le voile de la Banshee et une version largement supérieure au voile de la Banshee qui est un objet situationnel, mais la couronne de la reine brisée va devenir globalement plutôt méta et plutôt core build sur la plupart des mages du jeu. L'épée dentelée Chimico Punk est un nouvel objet qui est désormais lentille, plutôt axé pour les bruiseurs. L'atomiseur magnétique est un nouvel item qui combine le canon ultra rapide et le poignard de statique qui sont tous les deux supprimés du jeu. Le Mejai, vous connaissez le Mejai si vous avez joué sur PC, un nouvel objet qui fait que chaque fois que vous tuez des gens, vous gagnez de la puissance et si vous mourrez, eh bien vous en perdez, donc gros risque, grosse récompense. Le Trident des Océanides est un nouvel objet pour mage qui est l'équivalent du crochet de serpent et qui en fait de l'anti-bouclier pour les mages. Le crochet de serpent a été modifié aussi pour fonctionner comme le trident des océanides, c'est-à-dire que désormais, lorsque vous tapez un ennemi qui a un bouclier, vous réduisez son bouclier, et en plus, vous lui appliquez un debuff qui fait que pendant 3 secondes, ses prochains boucliers seront moins efficaces. Donc on a pas mal de changements de recettes sur lesquels on va parvenir. La quasi-totalité des objets finis AP ont désormais 7% de pénétration magique. Vous gagnez de la pénétration magique au fur et à mesure. Pas mal d'objets se voient une recette créée. Donc par exemple, le BF Glaive désormais se fait avec 2 épées. La baguette trop grosse se fait avec 2 tomes. Donc on a une gradation plus grande et on aura plus souvent des bacs dans lesquels on peut acheter des trucs. La soif de sang ne donne plus de bouclier mais donne des dégâts et de la vitesse d'attaque lorsque vous êtes au-dessus de la moitié de vos points de vie. Le réflecteur cristallin, ne l'achetez plus. Pipalipapoum. J'essaie de rien louper. Il n'y a plus de bouclier donné par l'ex-drinker. Le dernier souffle, désormais,
Non, c'est pas le dernier souffle, c'est l'objet qui vient après. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit, n'oubliez pas tout quand même. La gueule de Malmortus n'a plus de bouclier non plus comme ça fonctionnait avant, mais désormais, chaque fois que vous tapez, vous générez un bouclier qui se réduit tout seul quand vous arrêtez de taper, donc vous pouvez constamment générer du bouclier anti-magique. Le Morello désormais fait toujours 50% d'hémorragie. Tous les objets d'hémorragie d'anti-heal font désormais toujours 50%, sauf la côte épineuse qui est à 60%. Voilà, le rappel mortel a fusionné avec le Dominique qui n'existe plus, et désormais le rappel mortel fait des chances de coups critiques. Donc le rappel mortel est désormais réservé aux ADC et aux quelques personnages non ADC qui font du crit, type Yasuo, Maître Yi, Train d'Amer. Mais pour tous les autres bruiseurs, il devient beaucoup moins intéressant et donc va être remplacé par l'épée dentelée Chimico Punk. Pipalipapou, paloupapipi. Le Rabadon ne donne plus 40% de puissance bonus, mais une valeur entre 20 et 45% selon le niveau du personnage. Donc, en très late game, lorsque vous êtes niveau 15, eh bien, il est plus fort qu'avant, mais la plupart du temps, il est moins fort. Donc, faites-le maintenant beaucoup plus en late game qu'avant, sans quoi il perd énormément d'efficacité. L'ouragan de Runan ne fait plus du tout de crit et est désormais un objet qui est considéré AP, même si c'est un objet qui est désormais hybride en réalité, puisque il a la même recette et à peu près un fonctionnement similaire à la dent de Nashor. C'est la version dégâts de zone de la dent de Nashor, si vous voulez. Le crochet du serpent, on en a parlé. La côte épineuse, on en a parlé. Donc tous ces objets ont été retirés, je vous en ai parlé. Le bâton du vide. Le bâton du vide et son composant, l'améthyste du néant, ont été supprimés puisque désormais tous les objets AP font de la pénétration. Il y a désormais un écran in-game et au tableau des scores après la game qui vous permet de voir les détails de l'efficacité des runes. Il y a désormais l'âme des dragons. Si une équipe tue les 3 dragons, elle gagnera une âme de la couleur du premier dragon qui est apparu dans la partie, qui est donc la couleur du dragon qui définit la map. Si vous avez l'âme du dragon infernal, eh bien vous avez des dégâts d'attaque et de puissance, et vos attaques créent des explosions qui pètent tout. Si vous avez le dragon des montagnes, vous gagnez l'armure de la résistance magique et un gros bouclier qui se régénère hors combat. Si vous avez l'âme du dragon d'eau, vous régénérez vos points de vie tout le temps, même en combat. Et quand vous tapez champion ennemi une fois tous les deux temps en temps, vous faites un gros vol de vie. Si vous avez l'âme du dragon de glace, vous gagnez de l'accélération de compétences. Et quand vous tapez des ennemis, vous leur mettez un espèce de mini ulti de Z, à savoir une explosion à retardement dont les dégâts dépendent des dégâts qui ont été mis pendant ce temps de retardement, et un slow. Désormais, les personnages AD font un peu plus de dégâts contre les tours et les personnages AP un peu moins. Le Poro Fantôme peut enfin être tué et il met une minute à réapparaître. Up du sort d'invocateur heal. Le héros de la faille est moins fort contre le Nexus. Et des petits changements par-ci par-là, des petites bricoles et bimo. Voilà. Oui, oui, oui.